Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais grave bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau. Vraiment, cette vidéo, c'est vraiment du n'importe quoi. On va vraiment parler de ce cadeau et de la personne qui me l'a envoyé. Mais avant que la vidéo commence, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à lâcher votre plus joli pouce bleu sur cette vidéo. Vraiment, je compte sur vous pour faire les 5000 pouces bleus. Easy. Et puis à mettre dans les commentaires votre petit pseudo Epic Game. Ça me permettra de savoir qui est passé sur cette vidéo et ça me permet d'envoyer une petite demande d'amis à quelques petites personnes. Je suis vraiment sous le choc, je tourne cette vidéo sur le coup de l'action, sur le coup de tcha-tcha-tcha-tcha-tcha, parce que j'ai reçu un cadeau et donc je me devais de l'ouvrir en vidéo parce que j'aime bien ouvrir des cadeaux en live ou alors en vidéo. Et là j'ai reçu un cadeau, donc c'est pas un cadeau normal, vous voyez, c'est de la part de personnes secrètes. Il y a vraiment une personne qui se nommait personne secrète. Il faut savoir qu'en ami, j'ai uniquement les sponsors, les donateurs donc, et les abonnés actifs qui ont mis le chocolat sur mes lives. Là, le truc, c'est personne secrète. Donc, vous allez me dire qu'il y a une personne qui m'a en ami, ça fait plus de 2 jours, parce que pour m'envoyer un cadeau, normalement, il faut être en ami avec moi pendant 2 jours. Donc, ça m'intrigue. On va aller l'ouvrir sans plus attendre, parce que là, je panique, je stresse un petit peu. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être soit, on va dire, soit ça va être une émote, soit ça va être, je sais pas, un skin, soit ça va être une pioche, je sais pas, un sac à dos, j'en sais trop rien. On ouvre, on ouvre pas. On ouvre, on ouvre pas. On ouvre, on ouvre pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que ça va être. On roule le tambour, on roule le tambour. Et on va ouvrir et. Non! Non, passe de combat déverrouillé. Arrêtez, j'ai reçu le passe de combat. Mais vous allez me dire qu'une personne s'est nommée personne mystère, personne secrète, et la personne elle m'a offert le passe de combat. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes le jour officiel de la saison 4 de Fortnite, que là la saison 4 de Fortnite vient actuellement de sortir. Et donc je viens d'ailleurs de tourner une vidéo par rapport à la saison 4 de Fortnite. Je viens de publier une vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous mettrai la vidéo en description et dans le petit i par rapport à la saison 4, et j'avais découvert donc la saison 4 de Fortnite. Je comptais donc acheter le pass de combat, et là donc j'ai reçu quoi. Ah non mais oh mon dieu, c'est vraiment bizarre hein. On va vraiment faire une enquête. Je veux qu'on ouvre une enquête dans les commentaires, qu'on ouvre une enquête pour savoir qui est qui est cette personne secrète en fait. Donc attendez, on a quoi? On a donc un skin Thor, j'ai débloqué donc un skin Thor, on va s'équiper. On a quoi? On a un aérosol série Marvel, frappe de Mechoronir, je sais pas comment ça se prononce. On s'équipe, on a la cape de Thor, bah elle est trop stylée, arrêtez, elle est trop stylée. C'est vrai qu'au niveau 1 on a directement le skin, mais aussi j'aime beaucoup cette cape, bah on va s'équiper aussi. On a une bannière, ça je sais pas, enfin les bannières, tout ce qui est bannière je sais toujours pas à quoi ça sert. C'est quoi ça? Défi de l'éveil de Mechoronir. Je sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Mais ok, donc là on a des petits défis, on suit 20. On a un revêtement, il me fait penser un petit peu au revêtement du Galaxy là. Franchement, ils ont bien géré, ils ont bien géré leur petit pass de combat à Fortnite. Ok, je suis vraiment trop contente. Okay, donc on a un petit revêtement série Marvel. Et niveau 11, on a... C'est quoi ça? Ah oui, c'est le planeur avec la tête de... Oh là, on reçoit les notifications, faites pas attention. Je vous ai dit, la vidéo, j'ai tourné en vite fait, bien fait. Mais ça me fait trop plaisir, un passo. Mais c'est insane, c'est vraiment bizarre. Donc on a la grosse tête de Thor, je disais. Ok, bon bah on s'équipe, parfait. Donc là, j'ai obtenu cet objet. Oh mais... Quoi? C'est quoi ça? Passe de saison mythique mise à niveau vers le pass de combat permet d'obtenir des récompenses exclusives dans le genre joué en battle royale. Vous avez reçu un cadeau, personne secrète. Donc on voit bien qu'il y a vraiment écrit personne secrète. Bon là c'est bugué, le cadeau il a bugué. Bon ok, de vous à moi, vous allez tous me dire dans les commentaires si c'est vous ou pas. Commencez pas à me mentir, d'accord? Vous allez pas commencer à me dire oui c'est moi alors que c'est faux. Et je commence à m'apercevoir qu'il y a 70 personnes qui sont là à me dire ouais c'est moi la personne secrète. Mais là... Là, vous avez déjà quelqu'un qui s'est créé un compte, qui a essayé de m'avoir en ami et qui s'est nommé personne secrète. J'y crois en moyen. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me troll ou je sais pas, il y a une personne qui a fait une vidéo, j'en sais trop rien. Vous allez me trouver cette personne, on va trouver cette personne. Mais merci en tout cas pour le cadeau, ça fait trop plaisir. Pour le pass de combat, c'est quand même pas rien. Regardez, attendez, est-ce que j'ai une petite... What? C'est quoi ça? Dieu du tonnerre! Pour déverrouiller, atteignez le niveau 15 et accomplissez les défis de l'éveil de Thor. Vraiment, ça me fait trop flipper. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une petite game en solo.
On va s'échauffer, on va pas s'échauffer. On va essayer de vous give un top 1, on va essayer de vous donner un top 1 comme on le dit en français, hein, Choco. Je sais qu'il y a énormément de youtubeurs qui font à chaque fois des top 1. Donc je vais essayer de vous faire un top 1, je vais pas vous le cacher, on va voir si le pass de combat, si la tenue de Thor va me porter chance. Dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez que je vais faire un top 1, que je vais réaliser un top 1. Mais là, je vais pas vous le cacher, là, je crois en moi, là. Là, je crois en moi, je crois en ce top 1. Regardez en plus, il y a la petite bannière de Thor. Je trouve en plus que le pass de combat est hyper joli cette saison. C'est un des trucs que je trouve vraiment bien durant cette saison, pour la saison 4 de Fortnite. Je trouve qu'ils ont hyper bien géré le pass de combat. Donc c'est parti, mais let's go mon Choco. Oh, il y a des petites turbulences, c'est vrai. Et franchement, ça aussi c'est stylé sur la saison 4 de Fortnite. Ça aussi je kiffe bien. On va aller au fief de Fatalis. Je sais pas comment ça se prononce, si quelqu'un peut me dire parce que peut-être que je suis en train de... je détruis, c'est la troisième fois là, ouais, dans cette vidéo que je détruis la langue. C'est inadmissible, je suis désolée, je m'excuse, je suis navrée, je suis shy maintenant. Ok, c'est parti, on remercie bien sûr le chauffeur du bus. Et oh, les bonnes manières, on saute. J'espère vraiment que... on va voir, peut-être qu'il y a une force, peut-être que la personne secrète... non mais je n'y remets pas, je ne m'y remets pas. Personne secrète, on va voir si la personne secrète, si son cadeau là, si son pass de combat, si Thor va me donner de la chance ou non. Mais franchement, je suis hyper contente. Je pense que je vous ferai sûrement gagner un pass de combat dans les jours à suivre, sûrement sur un de mes lives par rapport au chocolat. Vous savez sûrement, je suis très souvent en live sur ma chaîne. Si vous le savez pas, ben maintenant vous le savez. Donc activez bien la cloche notification. Je suis en live presque tous les jours sur ma chaîne, vu que là je sais que vous êtes en vacances. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont reprendre les cours. Mais je pense que je vous ferai sûrement gagner un petit pass de combat, vu que je comptais déjà m'en acheter un, mais vu que quelqu'un m'en a offert un, franchement merci encore personne secrète, mais c'est pas crédible de dire merci personne secrète. Bah je vous ferai sûrement gagner un par rapport au... non, vos chocolats, non, par contre là, si je meurs je pleure, si je meurs. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Je peux pas faire comme tous les youtubeurs, comme tous vos youtubeurs qui font des top 1, qui vous passent un top 1 tranquillement. Ils sont là tranquilles, ils jouent et ils vous font un top 1 direct. Non, moi c'est pas possible. Youtubeuse en carton. Vous pouvez me dire youtubeuse en carton dans les commentaires. Mais j'ai pas de chance. Bon, ouais, c'est pas grave. On va aller spawn dans une maison. C'est quoi ça? On sonne ou pas? On sonne ou pas? Est-ce qu'on tente le diable ou on sonne? Ding dong! Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Je vais me faire assassiner, je le sens, c'était prévisible, non? Personne secrète, tu m'as pas du tout donné ta chance. Moi qui pensais que j'allais avoir de la chance grâce à ton pass de combat. Malheureusement, je pensais soit j'ai pas eu de chance par rapport à ton pass de combat, soit je suis juste nulle et on peut rien y faire. Comme on dit, youtubeuse Fortnite en carton un jour, youtubeuse Fortnite en carton toujours. Bon, voilà, je me suis fait trucider, j'ai même pas pu faire 10 secondes de game. J'ai même pas pu... là, vous pouvez dire rip, là, vous pouvez clairement dire rip. Bon, c'est pas grave, on va retourner au lobby. Hein. Le retour au lobby, bon, bah voilà, hein. C'est déjà la fin de la vidéo. Je me suis déjà fait trucider, j'ai trop honte, excusez-moi, je suis encore plus shy que la shyitude. Bah, j'espère quand même que cette vidéo vous aura diverti et vous aura plu. Je veux qu'on fasse une enquête dans les commentaires par rapport à qui est cette personne qui est personne mystère. Personne mystère ou secrète, je sais même plus maintenant son pseudo, mais en tout cas j'aimerais encore te remercier. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées, abonnez-vous, activez bien sûr la cloche de notification pour être notifié durant mes lives ou durant mes vidéos. N'oubliez pas bien sûr le gros pouce bleu qui fait plaisir. Sinon, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la zioter. La vidéo s'affiche à l'écran, je compte sur vous pour aller la regarder. En tout cas, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à très vite pour un prochain live ou alors pour une prochaine vidéo. Bisous sucrime choco. Je hurle. Non mais franchement, si t'es arrivé jusque là, vraiment GG. Là, si vous êtes toujours là durant la vidéo, vous marquez mouchoir dans les commentaires. Là, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que purée, là vous êtes des bons, vous êtes des très très bons. Allez, bisous. Je suis sûr que vous attendiez mon bisou.